Vous avez remarqué qu'un fichier MDF est composé sur une partie métadonnée, une partie donnée. La métadonnée n'est pas accessible. Donc je remonte un peu en haut, lui dire à la racine, donc au niveau de master, restaurer la base de données. Et là, il te dit, d'accord, tu veux la restaurer, c'est quelle base tu veux restaurer? Je lui dis ArchiveDB à partir de tout ce que tu connais comme historique de sauvegarde. Et là, je pose la question, à votre avis, quels sont les fichiers intéressants à utiliser pour restaurer ma base de données? Donc, je suis obligé de bâtir avec une sauvegarde complète, donc restaurer la sauvegarde complète, puis, juste après, quelle différence il y a, la première, la deuxième ou les deux? Donc, il suffit d'avoir la deuxième parce que la première inclut le temps. Je répète que la sauvegarde différentielle est la sauvegarde de toutes les modifications de données à partir de la sauvegarde complète. Donc, toujours en refaire la sauvegarde complète. Et puis, une fois qu'on a restauré la sauvegarde différentielle 2, on ajoutera les différents logs qu'on a. Donc, on va voir est-ce que SQL va faire la même chose. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, il a choisi la complète, il a choisi la dernière différentielle et puis il a choisi les deux. À titre indicatif, moi, on m'a appris au niveau de mon cours que la sauvegarde, elle sauvegarde toutes les informations sur la base, même les emplacements d'origine. Et donc, automatiquement, que je vais faire une restauration, SQL va tenter de restaurer sur l'emplacement d'origine. Sauf que l'emplacement d'origine, qui est la clé, n'est pas disponible. On va essayer de voir comment SQL va réagir à ce point-là. Option, vous pouvez remarquer, ben finalement, lui, il ne s'est pas cassé la tête. Il a tout simplement proposé le chemin de l'installation d'SQL. En fait, le chemin par défaut des bases de données. Je vais quand même changer ce chemin-là. Hein, et essayez toujours de ne pas utiliser ce chemin sur vos bases de données de production. Voilà. C'est le MDF, donc le chemin par défaut. C'est bon? Je fais OK. Tiens, qu'est-ce qu'il me dit ici? La petite remarque de tout à l'heure. Il te dit, bon, attends, tu sais, le fichier de journal est un fichier qui contient des travaux. Donc, ici, c'est des updates qui sont là. Faites attention, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez backupé, oui ou non? Alors, moi, j'en suis sûr qu'on l'a backupé. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça ne me dérange pas d'utiliser l'option with replace pour le faire. With replace, c'est comme si tu lui dis, écrase tout, vas-y, tu fais ton travail. C'est bon? C'est bon? Alors maintenant, on va tester est-ce qu'effectivement on a tout récupéré. Donc je vais, du moment que j'ai mon script là, je vais aller vers le petit select que je pourrais faire. Peut-être j'aurai une petite erreur. Vous me dites, tiens, cette erreur, c'est quoi? Hein? Le nom livre n'existe pas. Vous soupçonnez quoi? Eh bien, moi je regarde là, je suis en train de dire, ah tiens, une pointe master, il aurait dû pointer cette base. Et donc je me reconnecte et je récupère, vous pouvez remarquer, toutes les instructions qui ont été faites après le crash. OK? Ben, ici, on a simulé quoi? On a simulé que ma base de données a été corrompue sur le même serveur et le serveur est en connaissance de tout ce qui est sauvegarde, historique de sauvegarde qui ont été faites. D'accord? Maintenant, on va essayer de dire, ben, imagine que le serveur lui-même tombe en panne. Que le serveur tombe en panne physiquement, j'ai les sauvegardes, mais ce fichier, mais ce serveur, le deuxième serveur, n'a jamais eu l'information sur la base. Alors, pour faire ça, en fait, je vais tout simplement supprimer cette base et dire à mon SQL serveur, toi, supprimer les informations de l'historique de sauvegarde et la restauration. Ça veut dire quoi? C'est comme si jamais cette base de données n'a vécu sur ce serveur-là. Elle sera étrangère. Et donc, vous pouvez remarquer que j'ai un peu le cœur dur. Pourquoi? Ben, j'ai pas peur parce que j'ai toutes les sauvegardes nécessaires donc pour revenir à l'état normal. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis de supprimer cette base. Donc, je vais revenir maintenant sur le fait comment je peux restaurer ma base de données sur un serveur qui n'a jamais accueilli cette base. Pour le faire, à titre indicatif, vous avez la possibilité d'utiliser aussi un autre nom. Donc, je fais archive db2 ou 3 ou ce que vous voulez. Donc, vous avez la possibilité de restaurer sur un autre nom. D'accord? Si je pars sur l'historique, vous pouvez remarquer que l'historique archive db
il ne le connaît plus, alors que tout à l'heure, il nous l'a donné. Et puis, dans ce cas, je serai amené à créer moi-même mes sauvegardes. La chronologie, je la connais. Faire la sauvegarde, restaurer la sauvegarde complète, restaurer la dernière différentielle, restaurer le log et restaurer le log qui est après le sauvegarde. Donc, finalement, quatre fichiers à pouvoir restaurer. Mais là, il faut que j'utilise aussi des options de restauration parce que, comme maintenant, je vais faire une restauration simpliste avec les options par défaut, faites attention, j'aurai une erreur. Aidez-moi à la surmonter. Donc, je pars vers mon fichier de sauvegarde complète. Je vais choisir ma sauvegarde complète. Je fais option. L'idée d'option, tout simplement, c'est pour dire, ah oui, je sais, c'est pas sur ce point que je veux faire ça, mais plutôt sur un autre emplacement. Ok, donc, puis je pense, on a ajouté la dernière fois, remplacer la base de données, si vous voulez. Maintenant, je vais dire, je vais pas le faire parce que la sauvegarde, parce que j'ai ma base de données qui est déjà effacée. Voilà. Donc, remarquez le fait de ne pas utiliser WebRepair, ce n'est pas important parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun fichier, si vous voulez. Bien, voilà, super ma base. Je vais dire, oui, mais c'est ma base, il est là. Use base. Ok, je fais go et je vais lui dire, s'il te plaît, tu me donnes l'ordi. Est-ce que c'est normal que j'aurai que ça? Oh, oui, c'est normal parce que j'ai restauré que la sauvegarde complète. Ah, maintenant, il faut que je continue. Sauf restaurer ma base de données à partir maintenant de quoi? Eh bien, de là, du fichier là où j'ai fait la sauvegarde différentielle. La 1 ou la 2? La 2 directement. Voilà. Super, je reviens vers mes options. Je lui dis, tiens, ok, c'est pas dans ce chemin que je fasse ça. C'est dans ce chemin. Je garde mon fichier pour spécifier mon fichier MDF. Et puis je fais ok, taf, erreur. Voici une erreur très sympa. Rappelez-vous bien, aucun fichier n'est prêt à la restauration progressive. Ça, c'est important. En fait, qu'est-ce qui t'a arrivé? J'ai utilisé par défaut ce qu'on appelle la restauration with recovery. With recovery, c'est quoi? Tu dis à SQL, prends ce fichier.bat, tu restaures la base de données, puis donne aux utilisateurs la main pour qu'ils commencent à requêter. En fait, mets la base de données en ligne. Une base de données en ligne, on la restaure pas. Si vous avez plusieurs fichiers que vous devriez restaurer, alors vous n'appliquez la restauration with recovery qu'avec le dernier fichier de la sauvegarde. En l'occurrence, dans notre cas, c'est le journal qu'on a fait juste après le crash. D'accord? Donc, with recovery, ne l'appliquez qu'avec le dernier fichier à restaurer. Ce qui m'oblige maintenant à revoir tout mon travail. Et donc, je vais encore restaurer ma base de données. Mais cette fois-ci, en utilisant encore dès le départ ma sauvegarde complète. Et cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie d'utiliser donc mon M ici. Voilà. Et puis, with no recovery. Pourquoi no recovery? Eh bien, tu dirais que le serveur restaure ce fichier-là. Laisse la base de données en mode restauration. Pourquoi? Parce qu'elle ne reflète pas l'intégralité de la base de données. Il y a plusieurs autres fichiers que je suis en train de vouloir ramener. D'accord? Et donc, laisse la base de données en restauration progressive. Donc, je fais with no recovery. J'essaie de tester hein, pour voir. N'oubliez pas que la base de données est toujours là. La base de données, je ne l'ai pas effacée juste avant de faire ça. Donc, ici, il ne veut pas démarrer. Hein. Donc, j'attends qu'il me donne la main. Forcément, on soupçonne une erreur bien grasse. Voilà, donc première des choses, il te dit impossible d'avoir l'accès exclusif. Donc forcément, il y a des connexions sur cette base. Je lui dis ok, d'accord, donc je vais aller tuer un peu les connexions sur cette base de données. Je reviens sur mon interface. Ben, effectivement, si je vais là, et c'est là, hein, je peux me dire ben, connecte-toi sur master pour dérouter un peu, pour ne pas être open connection.